Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 43 de notre incroyable aventure sur Horizon Forbidden West. Installez-vous confortablement, prenez un petit truc à boire et à manger, mettez en 4K 60 FPS, on est d'ores et déjà parti pour la suite et on m'a annoncé qu'on allait sûrement affronter un gigantesque boss, donc eh bien écoutez, on va s'en occuper. Je peux vous dire qu'il n'est pas à un endroit, on a un drone hein, juste au-dessus. Il n'est pas à un endroit très favorable. Se rend donc à Thèbes. Allez, on est parti. On va utiliser les ponts pour la première fois. J'avoue qu'il faudrait trouver un moyen d'aller en hauteur de ces bâtiments. Histoire de... Attends, c'est pas possible. C'est où? Ça a l'air extrêmement loin. Histoire de récupérer les fucking drones et voir un petit peu comment fonctionne la zone. Comme ça. C'est facile. Raccourci des familles. Ok. Cours, étrangère. Il y a une machine tueuse près d'ici. Mais elle est où? Elle est où, les gars? Te voilà. Ok, c'est un suprême. Et c'est un suprême, c'était évident. Hop. C'est embêtant. Voilà, ça c'est drôle, c'est drôle ça. Wow. Ok, c'est pas mal. Non, ça c'est impressionnant. Ça, sache-le. Wouh! Ça, sache-le que ça m'impressionne. Oh la vache. Ok, prends ça, tu me diras ce que t'en penses, bibiche. Il me piétine, hein. Je suis sa pute. Il faut le savoir. Il faut le savoir, voilà. Excusez-moi du terme, mais on commence très mal cet épisode. Bon, ok, ok, ok. C'est la guerre que tu veux, petit? Tu vas l'avoir. Te voilà. Il va falloir qu'on se batte. Ok. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ça, oh, ça chique. Ça chicote. Ça chicote beaucoup moins. Oh. Ok. Alors attendez. Vache. Mais c'est pas possible! J'ai pas le temps d'analyser! Je veux voir sa putain de faiblesse là, au bordel! Excusez-moi du peu. On est reparti. Te voilà. Il va falloir qu'on se batte. Thank you.
c'est tellement épique, c'est tellement épique. C'est fait! Libération! Oh! J'ai cru qu'on allait jamais y arriver. What the fuck? C'est terrible. J'ai plus rien. Je ne peux plus rien fabriquer. Tu as tué cette machine. Qu'est-ce que c'est que cette machine? C'est votre PDG qui m'envoie. Oh, il y avait un petit trésor, c'était de mon mignon. Je dois parler à Alva. Entre vite alors. Ouvrez les oh, dites-moi que vous avez un vrai village avec des vrais vendeurs et tout. Oh, oh là là. Attends, tais-toi, je t'en supplie, Alva. Laisse-moi apprécier. J'ai cru que j'allais pas y arriver jusqu'à ce que je me souvienne qu'il y avait des potions dans le jeu. Et ça, c'est beau. Oh, c'est tellement beau, c'est tellement beau, je suis ému. Alors, bougez pas, bon, on va lui parler, allez. Alva, je suis contente que t'ailles bien. Oh, tu as abattu cette machine! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Il y a quelque chose dans Thèbes dont j'ai besoin. Je viens de Vivter. J'y ai vu ton PDG et on a conclu un accord, en un sens. Et tu vas pouvoir nous aider à entrer? J'espère, oui. L'échange a été tendu. Ce type a quelque chose d'étrange. Et j'arrive pas à comprendre ce qu'il cherche à Thèbes. On a trouvé les données dont vous aviez besoin sur le continent. Ces données vont nous prendre des années à décoder. Le PDG veut des résultats rapides. Aloy, il faut que tu sois prudente. Il est... Les voilà! L'héritage nous enseigne qu'Elisabeth Sobek a aidé les ancêtres à dépasser tous les obstacles. Ce fut également le cas aujourd'hui. Tu as en effet tenu parole, j'en suis ravi. Thèbes n'attend plus que nous. Tu es prête? Ouais, il cache un bail, lui. Hein. Il cache un bail, le gars. Hein. Sacrée excavation. Une grande partie était inondée. Nous avons dû pomper beaucoup d'eau vers l'extérieur. Voilà la porte de Thèbes. Une porte unique en son genre. Ah, c'est le cas de le dire. Elle est conçue pour n'être ouverte que par un seul homme. Ted Faro. L'héritage affirme qu'il travaillait main dans la main avec Sobek. Il lui faisait confiance. Je suis sûr qu'elle pouvait ouvrir la porte, et je suis sûr que toi aussi. Ça ne marchera pas. Du moins, pas de ce côté. Tu disais qu'elle était une ancêtre vivante, avec l'essence éternelle de Sobek. Vous permettez ? Faro, bien qu'il fût si grand, n'a pas bâti ce palais tout seul. Nous le savons grâce à certaines données que nous avons trouvées. Les mêmes qui nous ont conduits à venir jusqu'ici. Et nous avons découvert qu'il y avait des passages en dessous. Ils ont peut-être servi à la construction. Ou... aux servants. Nous, on ne peut pas y aller. Le chemin est inondé et ils sont situés trop en profondeur. Mais je... Ouais. Je peux les atteindre. Il y aura peut-être un autre passage par-dessous. Vous voyez ? Avec Sobek, il y a toujours une solution. Alors fais ton possible pour nous faire entrer. Il va se calmer le petit, là. Ok, bon. Au fait, pendant que nous sommes là, l'arbre des compétences, n'est-ce pas? J'aimerais bien me mettre chef des machines. On a quoi de beau, en vrai, en chef des machines? Non, ça implique qu'il se transforme en piège. Ok.
Lance un pic qui se divise en plusieurs projectiles. C'est-à-dire, c'est beau. Configurez une machine de manière à ce que son comportement soit agressif ou défensif lorsque vous la piratez. Inflige plus de dégâts depuis une monture. Très bien, les machines piratées possèdent plus d'armure. Subissez moins de dégâts sur une monture. C'est pas le plus intéressant. Qu'est-ce qu'on a là? Réduisez votre visibilité pour les ennemis. Ça, c'est pas mal en vrai. Hein. Améliorez le niveau de zoom de votre arc de précision. Oh, c'est pas mal aussi. Encochez une deuxième flèche du type sélectionné. Oh, c'est ça qu'il me fallait. Ok. Je prends. Ça, c'est incroyable. On va pouvoir mettre deux flèches d'un coup et faire donc deux fois plus de damage. Allez, let's go, on se casse. Salut, les gars. Salut, la compagnie X. Oh, c'est agréable. On se croirait dans des sources chaudes. Ok. Bon, bah, on va se retrouver tout seul. Regardez ça. C'est énorme. Et ça continue jusque tout en bas. Wow. Un petit moment de détente, ça me ferait pas de mal. Dites-moi pas qu'il va y avoir bagarre, s'il vous plaît. J'ai pas de stuff, j'ai plus rien. J'ai plus rien du tout. Même niveau popo, ça devient hard, dites-vous. Putain, c'est chaud. C'est chaud de ouf. Ok. Je sais pas trop où faut aller. Au centre de la Terre ou quoi, mon ref? Il y a une brèche là-haut. Je pourrais peut-être passer. Attends, quand on dit une brèche, en bas ou en haut? Après, elle a dit là-haut, hein. Moi, je suis bête et méchant. Ok, super. Bon, effectivement, je pense que si on allait trop bas, on mourrait. Ouais, je devrais pouvoir rentrer par là. Ok. Très bien. Bon, trouver un accès dans Thèbes. On est donc dans la tombe de Ted Pharo. Très intéressant. Ok, on va passer par ici. Le... Imaginez que chaque chemin possède un nombre de détails totalement fou. Hein. En vrai. Hein. Quoi ? Mais je peux y aller alors, mais qu'est-ce qui se passe? Allez, salut l'artiste. Ok. On va aller là. Putain, ils ont vraiment en plus rendu les passages dans l'eau. C'est pas désagréable quoi, vraiment. Allez, on désactive ça. J'ai arrêté la turbine. Bon. Ok. Là, je suppose qu'il n'y a rien à faire. On va aller où? Bah, de l'autre côté, en fait, je pense. Hein. Bah, Bibiche? Qu'est-ce qui se fait? Oh non, je suis Keblo. Je suis dans le mur, les gars. Comment c'est possible? Je suis dans le mur? C'est pas une vanne? C'est bon. Oh, j'étais bloqué dans le mur! Mais qu'est-ce qui se passe? Attends. Là, c'est peut-être parce qu'il y a l'autre turbine de l'autre côté, non? Ok. Ah, c'est dur! J'étais bloqué dans le mur! On a eu tellement chaud, ou à moins que ça soit la turbine, mais. Du mal à y croire à cette version? Ok. Bon, je suis à l'intérieur, mais comment faire entrer? Oh, salle de muscu, frérot. Toi-même, tu sais, le summer body. Et me revoilà. Ah? Et me revoilà caché dans la salle de gym, à écrire pour essayer de garder la raison. Je n'arrive pas à croire que Grégory soit mort. Notre prétendu chef spirituel était en pleine forme hier et il s'est éteint subitement dans son sommeil. Et personne ne veut en parler avec moi. Il me traite comme une gamine. Il chuchote dans mon dos comme si j'étais incapable de faire face à la mort alors que le monde s'est éteint. Alors Ted avait d'autres personnes avec lui ici. Donc, on a voulu
intéressante. Pour avoir autant de chiottes, ouais. J'espère bien qu'il y avait des personnes avec lui. Une pièce de vie. C'est plutôt... C'est vraiment tordu comme situation. Un scientifique, sa fille, un gourou, et appelons un chat, un harem. Et on survit à la fin du monde dans le bunker souterrain d'un milliardaire. D'accord, donc c'était son petit harem, le coquin. Maintenant que Grégory est mort, j'ai peur que ça devienne encore pire. Il a permis à Ted de rester à peu près stable pendant 2 ans. Qu'est-ce qui va se passer sans lui? Et en plus, on n'a aucune idée de ce qui lui est arrivé précisément. Cette fille a raison. Ted n'a rien de normal. Ok, je vous laisse lire. Donc en fait, Ted a totalement pété les plombs, si j'ai bien compris. C'est ça? Je pense que c'est ça. Ok. On se casse. Je sais que tout le monde est ébranlé par le décès prématuré de Grégory. C'était un homme très pieux, qui n'avait pas peur de regarder ce que bien peu de gens osaient regarder. J'ai demandé au docteur Somptov de... chercher ce qui est arrivé. Je suis sûr qu'il avait une sorte de malformation ou de maladie. Le plus important, c'est que même s'il nous manque beaucoup, nous continuerons. Tout ira bien. Quelque chose me dit que ça n'a pas été le cas. Regardez cet endroit. Ok. C'est plutôt classe pour un bunker. C'est beau. Là, la porte. Espérons qu'elle peut s'ouvrir de l'intérieur. Alors, attendez. On va prendre ça. Et on va ouvrir. Ah, parfait. Allez! Une fonction d'évacuation. Issue de secours. Activée. La porte est ouverte. Le destin nous appelle. Je savais que tu y arriverais. Que se passe-t-il? Le PDG se prépare à entrer dans Thèbes. Oh, pourquoi t'es déguisé en tête Pharo? Je suis Pharo. Je suis revenu. Mon essence est pareille à la sienne. Après tant d'années, tant de générations, son âme est mon âme. Sa volonté est la mienne. Il n'y a plus qu'une chose qui nous sépare. Il me faut son dernier témoignage, tous ses plus grands secrets. Et maintenant que la porte est ouverte, ses secrets sont à ma portée. Quand je les aurai, je serai enfin complet, comme il l'était. Et j'aurai enfin tout ce qu'il me faut pour sauver nos terres bien-aimées. Et je pourrai, comme Pharo, sauver le monde. D'accord. Je crois que tu te méprends un peu sur sa nature profonde. Personne ne sait mieux que moi qui il était, car Pharo, c'est moi. Celui qui renouvelle, le plus grand de tous les ancêtres, c'est l'homme qui a sauvé le monde. Et toi, tu comprends Sobek, car tu l'incarnes, la messagère de Pharo, son assistante. Bien, toi et moi, nous allons pénétrer dans Thèbes côte à côte. Comme il se doit. On lui passe la tenue. La tenue? Comme il est Pharo, tu es Sobek. Pour un événement si grand, ne devrais-tu pas porter un vrai uniforme? Non. Non, je ne porterai pas ça. Jamais. Tu vas porter la tenue adéquate pour marquer cet instant. Sinon quoi? Il est dit... que Sobek estimait la vie plus que tout. Est-ce que c'est vrai? Bon. Je vais la mettre, votre tenue. Mmh.
Excellent. Pouvons-nous y aller ? Regardez cet endroit, quelle splendeur. Le domaine de Faro. Eh ben, on va s'arrêter là, les c'est amis. C'est à couper le souffle. Excellent. C'est dans cet endroit que se cachent les secrets de Faro. Allons les trouver. Votre magnificence, nous devrions peut-être laisser les gardes surveiller la sortie. Oui, qu'il en soit ainsi. Je vais rester ici. Bon, bah j'ai voulu voir si on pouvait aller save, on peut pas, MDR. Donc on va rester ici au calme. Et on va continuer. La plupart des femmes de Ted me dégoûtent en fait. On dirait des candidates de télé-réalité qui essaient d'attirer l'attention du célibataire. Mais Brianna, Lolo chanteuse, elle est différente. Elle a toujours été gentille et avec moi. Tout ceci et j'adore sa voix. À traverser les époques. D'ailleurs, je ne l'entends plus beaucoup depuis la mort de Grégory. Elle, au moins, elle ne participe pas au commérage des autres. Elle sait quelque chose. J'en suis sûre. Et je ferai tout pour trouver quoi. Allez, on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On se dit à bientôt. Portez-vous bien. Bisous tout le monde. Bye bye.